Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire d'aujourd'hui, Exact 2, la nouvelle génération portable de mesure de la couleur. Les présentateurs donc sont Jérôme Branger, donc Jérôme Branger, solution architecte packaging chez X-Rite, donc ça fait quelques années, et moi-même, Georges-Éric Royer, responsable commercial pour la France et l'Afrique du Nord, également depuis plusieurs années. Voilà, donc en raison du nombre de participants au webinaire d'aujourd'hui, nous allons désactiver les micros. Si vous avez des questions, veuillez les utiliser, la fonction questions dans le panneau de contrôle du webinaire. Et donc Jérôme qui présente et moi-même répondrons à la fin. Ce webinaire donc est enregistré. Vous recevrez un lien qui vous permettra donc de le revoir à votre convenance. Après toutes ces précisions, eh bien, démarrons pour l'exact 2. Quelques questions peut-être avant? Donc, je démarre. Voilà, on vous laisse le temps d'y répondre. Et donc après les réponses que vous allez y apporter, on peut peut-être démarrer la présentation. Donc, Exact 2, nouvelle génération portable de mesure de la couleur. Après 10 ans de bons et loyaux services, l'Exact 2 est arrivé donc en juin de cette année. Et en fait, l'appareil a été complètement repensé, c'est-à-dire que depuis 10 ans, on a écouté, et oui, ça nous arrive d'écouter nos clients et surtout de repenser un petit peu aux améliorations, qu'est-ce que l'on aurait pu faire, qu'est-ce que. Voilà, qu'est-ce que les choses à repenser toujours pour finalement les enjeux des professionnels, c'est-à-dire le respect des tolérances de couleurs, la diminution évidemment des coûts de production, puisque ça c'est la question au cœur de l'actualité, restriction des supports d'impression, etc. La facilité également, la formation du personnel, donc on voulait quelque chose de plus intuitif. Donc, c'est ce que vous allez découvrir, prenant un petit peu chaque caractéristique, chaque nouveauté, donc de l'exact 2 par rapport à l'exact 1. Donc, déjà, la grande différence, ou ce qui va caractériser, ce qui va en faire une caractéristique unique par rapport à l'exact 1 et peut-être également par rapport aujourd'hui à l'offre actuelle, c'est l'introduction de la vidéo, c'est-à-dire que on a une cible de visée grâce à une caméra haute résolution qui va équiper donc chaque Exact 2. Ça veut dire que en fin de compte, on mesure ce que l'on voit à chaque fois. Donc on n'a plus de stress à se concentrer visuellement sur le bon patch ou la bonne couleur, le bon endroit qu'on est en train de mesurer. Et par exemple, certains secteurs d'activité, de production vont apprécier, surtout lorsqu'il va falloir mesurer une couleur, par exemple, si on ne dispose pas de patch de contrôle. Je pense à un décor chargé d'une étiquette, par exemple. Puisqu'on a cette cible de visée, donc cette caméra haute résolution, on va pouvoir donc également se servir de cet appareil comme loupe numérique. Donc ça c'est très très c'est très comment dirais-je intéressant parce que ça va permettre de zoomer pour par exemple inspecter les patchs, vérifier le repérage par exemple je sais pas d'une séquence de plaques. Pour les gens qui sont sur le type d'impression offset, ou capturer une image pour une opération de contrôle qualité, par exemple. On va évidemment simplifier les menus. On veut une interface plus simple, plus intuitive.
Donc, on a repensé complètement cette interface. Et l'idée, c'est, bah oui, on veut sauver du temps, on veut que les, voilà, ne pas se perdre dans les menus. L'appareil n'est plus muni de semelles. Donc, pour ceux qui connaissent l'exacte 1, donc, il y avait une forme d'agrafeuse avec une semelle. Et cette semelle, par exemple, lorsque vous êtes en face d'encre qui n'est pas sèche, par exemple, lorsque vous avez à mesurer une encre qui n'est pas sèche, eh bien, cette semelle, évidemment, était contaminée par l'encre, hein, ce qui est tout à fait logique. Là, aujourd'hui, vous avez une mesure sans contact, c'est-à-dire que vous n'avez plus de contact avec l'encre. Et je pense par exemple aux coloristes. Alors, je ne sais pas s'il y a des coloristes qui nous écoutent, mais en l'occurrence, on va pouvoir mesurer la tirette sans que l'appareil soit contacte cette impression. On va intégrer un système dont parlera certainement Jérôme. X-Rite Link qui va permettre, donc là c'est en dehors, on va dire que ça participe à l'écosystème de l'Exact 2, qui va permettre en l'occurrence la gestion du parc d'instruments en présence sur le site d'une entreprise. Évidemment, si vous faites partie d'un groupe, plusieurs sites entre eux, etc. Donc, on pourra immédiatement savoir si l'appareil, par exemple, est encore sous garantie, si on a le bon dernier firmware, si on a la bonne, etc., etc. Enfin, vous m'avez compris. On va pouvoir également, oui, l'Exact 1 était équipé donc de Bluetooth. Aujourd'hui, on va rajouter avec l'Exact 2 le Wi-Fi, donc pour être encore beaucoup plus performant qu'avec le Bluetooth. J'ai parlé d'écosystème à l'instant, en parlant d'une solution X-Rite Link. On va également faire en sorte d'avoir une fluidité avec un logiciel de contrôle qualité que vous connaissez peut-être ou vous avez peut-être déjà entendu parler, ColorCert, dans un mode simple et qui permettra, par exemple, d'avoir soit des connexions avec ce logiciel, soit évidemment avec d'autres logiciels et de contrôle qualité et par exemple de formulation des encres, puisque je parlais des coloristes. Bon, on parle d'X-Rite et on ne peut pas parler d'X-Rite sans parler de Pantone. Évidemment, on va avoir immédiatement, on sera capable de récupérer les dernières bibliothèques Pantone. Donc, on est sur la version 4 pour les spécialistes. Donc, vous avez vos Pantone numériques d'ores et déjà, et ça, c'est complètement gratuit donc sur l'Exact 2. Mais vous avez également la possibilité d'avoir vos bibliothèques dépendantes donc du process Pantone Live par abonnement. Également voilà ce qui fait une autre des caractéristiques pardon principales de l'Exact 2, c'est-à-dire que l'Exact 2 donc on a retiré donc cette fameuse mesure à bascule, agrafeuse qu'il y avait depuis plusieurs séries et donc qui n'est pas réservée qu'à l'Exact 1, en permettant en l'occurrence à l'Exact 2 de mesurer à la fois mesure ponctuelle, c'est-à-dire que vous allez flasher couleur par couleur, mais également en le mettant sur quatre petites roues ou roulettes et de faire une mesure scan. Voilà. Et donc cette mesure scan, une fois de plus, avec la caméra vidéo, donc vraiment donne des perspectives très intéressantes, que l'on soit côté salle d'impression, pré-presse, etc., etc. Donc,
Oui, comme je vous disais, l'exacte 2 donc arrive juste à temps, c'est-à-dire 10 ans après le premier exacte 1. Donc, oui, si on fait un rapide différentiel entre exacte 1 et exacte 2, donc on repense à la mesure. Donc, la mesure de l'exacte 2 est faite sans contact. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas le contact. En fait, quand vous retournez l'appareil, vous avez une zone qui ne touche pas, en l'occurrence, le support que vous allez mesurer. On mesure évidemment ponctuellement et lecture automatique. Donc, en fait, ça vous fait un appareil deux en un. En fait, voilà, donc vous êtes plutôt gagnant. Au niveau de la plaque de calibration, on a une calibration qui se fait maintenant de manière externe. Alors, vous avez évidemment un écran qui est beaucoup plus grand, hein, 30%, avec également, je rajouterais, deux fois plus de résolution. Donc, c'est vraiment un confort. La batterie également, on a progressé avec un support externe par induction. Enfin, bon, voilà, vous avez toutes les connexions. Donc, évidemment, on met en avant Wi-Fi, hein, puisque on veut se libérer des câbles, mais vous avez également USB, USB-C. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Jérôme, la parole et l'image. Et qui va vous faire donc découvrir en direct maintenant cet exacte 2. Merci Georges. Donc bonjour à tous. Donc juste avant de commencer, pardon, on va vous présenter une vidéo d'introduction sur l'outil avant que je vous le montre voilà réellement. Donc je vais vous laisser regarder une petite vidéo. Ok, donc bonjour à tous. Donc je vais pardon, commencer par vous présenter donc l'exacte voilà en visuel. Alors je vais couper mon écran de façon à ce que ce soit un peu plus grand pour vous. Donc comme vous le voyez déjà tout de suite, voilà, je vais commencer par une petite comparaison entre l'exacte 1 et l'exacte 2. Donc effectivement, ce qui saute aux yeux, bon, effectivement la taille des outils, hein, l'exacte 2 est effectivement beaucoup plus grand et permet une prise en main beaucoup plus ergonomique. L'écran tactile, comme l'a dit Georges-Éric, qui est beaucoup plus grand, donc à peu près 30% plus grand. Cet écran tactile s'incline, ce qui peut être pratique quand il y a des reflets sur les pupitres de presse, notamment bah, comme là, vous voyez effectivement les reflets. Également, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est le mode de mesure agrafeuse, comme l'a décrit Georges-Éric, qui donc, a été repensé en écoutant effectivement les demandes de nos clients et on a un système de caméra.
vidéo donc qui va permettre de viser et de vraiment d'être sûr de prendre correctement la mesure sur le patch qui nous intéresse. L'exact est à la fois spot et scan, donc on n'a plus d'accessoires à rajouter comme sur l'autre, sur l'exact 20 pour scanner une gamme de contrôle. On va pouvoir tout simplement relâcher le frein ici et pouvoir faire une mesure en mode scan. Donc c'est un outil tout en un, spot et scan en même temps. Également, pardon, on a, comme l'a dit Georges-Éric, des roulettes donc qui sont situées à l'avant et à l'arrière de l'instrument, donc quatre roulettes qui permettent effectivement de le rendre scan. Il est sans contact, donc là il ne touche absolument pas effectivement grâce aux roulettes la surface de mesure. Pardon. Il est également donc accompagné de cette station d'accueil ici qui sert à la fois donc pour le charger par induction. Et la plaque de calibration finalement a été enlevée, déportée, et elle se situe sur cette station d'accueil, alors que sur l'exact 1, effectivement, elle était située ici sous l'outil, voilà, pour la calibration. Et ça permet également d'utiliser une seule station d'accueil. Avec le QR code, l'exact reconnaît directement les données de la calibration et on peut utiliser une seule station pour plusieurs outils. Au niveau des connectiques, il est USB-C déjà pour commencer et également Wi-Fi, comme l'a dit Georges-Éric. Voilà rapidement pour les principales différences entre l'exact 1 et l'exact 2, déjà d'un point de vue physique et ergonomique. Je vais maintenant, pour les besoins de la présentation, le brancher en USB. Pardon. Partager mon écran et arrêter la caméra. Je vais connecter l'exact dans son logiciel qui s'appelle Exact Suite. Alors, pourquoi Exact Suite? Parce qu'en fait, pour ceux qui ont connu l'Exact 20, il y avait donc le logiciel Exact Manager, Data Catcher pour envoyer des données sous Excel et Data Mesure. Et là, en fait, l'Exact Suite intègre les trois logiciels en un logiciel, voilà, qui s'appelle Exact 2 Suite. Je vais prendre la main à distance sur l'outil. Voilà, c'est beaucoup plus pratique que la caméra. La caméra, c'est un peu flou et on ne voit pas toujours bien ce que je veux montrer. Alors, pardon, je vais sortir du menu. Alors, pardon. Déjà, en termes de menu principal, on a voilà, un menu purement lié à toutes les mesures densitométriques, donc densité, engraissement, trapping, toutes les fonctions voilà, densitométriques connues. Un menu couleur dans lequel on va retrouver typiquement les valeurs LAB, les valeurs LCH, la fonction best match, différentes choses que vous connaissez peut-être, le métamérisme, l'opacité, par exemple. Un menu travaux qui va contenir tous les modèles de job, notamment liés à la PSO. Également des jobs personnalisés dans lesquels on va pouvoir créer des gammes de contrôle, on va pouvoir créer des bibliothèques de couleurs, on va pouvoir les intégrer, on va pouvoir scanner ou faire des mesures spot dans un mode travail. Un menu, mon outil, qui va permettre de créer en fait un profil différent. C'est-à-dire qu'on va configurer l'outil, par exemple, avec un certain paramétrage pour un client. Par exemple, pourquoi pas en M1, en D65-10 degrés, en Delta E CMC, pourquoi pas, parce que le client le demande. Dans ce cas-là, on l'utilisera dans mon outil. Et on ne touchera pas aux réglages en fait du menu couleur qui seront les réglages de base à utiliser pour tout le reste. On va retrouver un menu loupe numérique, mais on y reviendra après. Net Profiler que vous connaissez peut-être également. Pardon. Net Profiler pour le moment n'est pas encore intégré sur l'outil en direct. Ça va venir d'ici pas longtemps. Pour l'instant, on est encore obligé d'utiliser le logiciel Net Profiler sur un PC. Mais dans quelques temps, on pourra directement en fait utiliser notre profiler sur l'outil. Je vais rentrer tout de suite dans le menu couleur. Pardon. Donc là, je vais faire une mesure comparative. Je vais activer en fait la caméra. Ça me permet de voir où est-ce que je me situe. Donc vous voyez qu'on voilà parfaitement. On sait exactement où est-ce que l'on est lorsqu'on fait une mesure. Je déclenche la mesure. J'ai directement ici à l'écran parce que j'ai choisi en fait dans ce menu d'être en LAB et en Delta E2000, j'ai l'affichage, le résultat pardon, de la mesure de mon échantillon par rapport au standard. Je peux bien sûr changer le mode d'affichage
passer sur des valeurs LCH, passer sur autre chose, hein. En fonction de ce que j'ai mis dans mes favoris, vous voyez qu'il y a des petites étoiles. Là, notamment, les trois premières ont été activées comme des fonctions favorites. Donc, elles apparaissent en haut de la liste. Et je n'ai pas à me déplacer, voilà, dans tous les menus, dans toutes les fonctions de l'outil. Donc, j'étais sur LAB. On peut se mettre sur les valeurs, pardon, LABCH. Je vais réactiver le bouton de mesure. Ça réactive la caméra. Ça va me permettre, voilà, de prendre une autre mesure. Donc, de façon, voilà, très simple, je compare un standard, un échantillon. Je choisis mon affichage. Valeur LAB, valeur LCH, quel type de delta E? Voilà, l'outil est paramétré en fonction de ce que l'on souhaite. On peut également accéder à des graphiques. Donc, l'outil intègre, voilà, des graphiques un petit peu évolués, améliorés, en tout cas par rapport à l'exact 1. Quatre types de graphiques, LAB, LCH, graphique de réflectance. On va voir les courbes de réflectance. Un graphique delta E également. On va voir la position de l'échantillon par rapport au standard. Je vais faire une autre mesure, pardon. Donc, je vais simplement réactiver la caméra, déplacer l'outil ici. Je vais définir cette mesure comme ma cible en cliquant ici sur cette icône. Voilà, ça va devenir en fait ma cible. Je vais mesurer mon échantillon. Et cette fois-ci, je vais changer en fait de fonction et je vais demander un affichage best match. Ah, alors évidemment, oui, je n'ai pas mesuré le papier. Donc, il faut mesurer le papier pour qu'effectivement cette fonction puisse fonctionner. C'est le cas de le dire, pardon. Je ne sais pas si tout le monde est familier donc, avec cette fonction, mais c'est une fonction vraiment qui permet de savoir si avec l'encre que l'on a actuellement en machine et le support sur lequel on imprime, on va être capable ou pas d'améliorer le delta E si besoin. Donc là, actuellement, on a un delta E de 1,8 entre le standard et l'échantillon. Si c'est acceptable, tant mieux, mais si ça ne l'est pas pour X raisons, on peut voilà, améliorer, obtenir un delta E de 0,3 s'il était nécessaire, en baissant en fait la densité, puisqu'on est légèrement trop fort. Donc cette fonction, vraiment, en mise en couleur, va faciliter la prise de décision, permettre de savoir tout de suite si on va pouvoir ou pas en fait obtenir l'atteinte demandée sur le support actuel. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, c'est vraiment un problème de formule. Il faut vraiment retoucher la formule. Je vais changer de bibliothèque. Donc, comme l'a dit Georges-Éric, l'exact 2 intègre les différentes bibliothèques Pantone. Bien entendu, les dernières bibliothèques Pantone V4, Solid Coated, Uncoated, Pastel et Néon. Des bibliothèques personnalisées, d'autres bibliothèques Pantone Live dépendantes, mais que je n'ai pas mises là sur l'outil. Je vais choisir le Pantone Solid Coated V4 et je vais simplement faire une recherche de couleur la plus proche. Bah d'ailleurs, sans refaire de mesure, en fait, sur la précédente mesure de ma référence verte, directement l'exact me donne le Pantone le plus proche avec le delta E en cours. Et encore une fois, parce que je suis sur la fonction best match, est-ce que je peux améliorer ou pas? Voilà, je vais faire une mesure d'une autre couleur ici. Cette fois-ci, c'est le 173C avec un delta E de 0,66. Donc là, c'est parfait. Il n'y a même pas à chercher à améliorer. Donc voilà pour les fonctions classiques, on va dire, de base. Ce que l'on peut faire également, Georges-Éric en a parlé tout à l'heure, donc l'outil loop numérique. Je vais par exemple pouvoir prendre ici cette croix de repérage. Et ensuite, je vais pouvoir zoomer, me déplacer. Donc, on a un zoom numérique x10. Bon, là, évidemment, c'est parfaitement repéré. Donc, voilà, on ne voit aucune différence. On peut enregistrer cette image et elle sera stockée en fait dans l'outil. Et ensuite, on pourra la rapatrier grâce au menu que vous voyez derrière ici avec transfert au périphérique. On accédera en fait aux images stockées dans l'outil et on pourra les récupérer. Ah non, pardon. Ce que je voulais faire, c'était ça. Voilà. Donc une deuxième, juste pour vous montrer. Voilà, donc on peut vraiment zoomer encore, voilà, x10.
Donc ça, c'est donc le menu loupe numérique qui a, voilà, qui peut remplacer le compte fil, par exemple. En tout cas, c'est ce que certains clients m'ont fait comme commentaire pas plus tard qu'hier. Pardon. Revenons donc au menu principal de l'outil. On a vu le menu couleur. Bon, le menu densité, je ne vais pas rentrer dedans pour l'instant. Voilà, c'est extrêmement simple, classique, basique. Je vais plutôt aller dans le menu travail pour vous montrer en fait que l'on peut scanner une gamme de contrôles. Alors j'ai la feuille que vous avez vue tout à l'heure hein, lorsque je présentais en fait l'outil qui a plusieurs gammes de contrôles. Donc je vais choisir un job qui est déjà créé. Ce job en fait peut être créé, enfin pas peu, est créé au travers du logiciel en fait exact de suite hein, dans la partie outils et travaux. Ici, on va pouvoir venir mesurer ses références, créer ses gammes de contrôle. Donc, je vais charger le job en question, pardon. Évidemment, la première chose, mesure du papier. Donc, je vais mesurer, pardon, le papier. Voilà. Je vais passer en mode ici de lecture de gamme de contrôle. Je vais essayer de me placer sur la bonne gamme. C'était pas la bonne. Comme vous voyez en fait à l'écran, donc on peut se placer de façon extrêmement précise grâce à la caméra vidéo, mais également les deux repères, les deux lignes que vous apercevez en fait vont nous permettre un guidage vraiment précis, facile et simple. L'exact 1 pour ceux qui ont déjà utilisé le mode scan, c'était un petit peu plus compliqué et plus lent. Donc là, vous allez voir, enfin, sauf si je me rate, ce qui peut arriver. Donc voilà, je vais démarrer. Alors effectivement, j'ai complètement oublié de déverrouiller le frein, puisque je l'avais mis pour la présentation au début. Donc je vais enlever en fait et je vais recommencer la mesure, parce que là l'outil en fait ne glissait pas comme prévu. Voilà, là ça va aller beaucoup mieux. En fait, c'est le. Voilà. Hop, c'est parti. Bon, visiblement, il y a quelque chose qui lui a pas plu. Je vais recommencer. J'ai le câble USB aussi qui est accroché dans la caméra. Ok, on va recommencer le papier. Bon, ça, c'est l'effet live, hein, c'est comme ça. Il y a toujours quelque chose qui se passe pas comme prévu. Voilà, je repositionne l'outil. J'ai été un peu vite. Et donc, je vais avoir en fait les résultats après pour toutes les, voilà, pour toutes les mesures. Bon, là, effectivement, j'ai raté ma mesure, hein, encore une fois, puisque au vu des deltas, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais en un seul scan, je vais obtenir en fait toutes les informations. À la fois pour le papier, pour les Est-ce que aplats, les valeurs d'engagement. Oui. je pense que tu as mesuré la mauvaise gamme. Si c'est la 7 mm. Non. Je n'ai Pardon. pas mesuré de la mauvaise gamme. Je ne crois pas. Je vais revenir dans le travail. Ou alors, je n'ai pas pris le bon. Ce qui est possible. Ouais, je vais changer de job. Ok, je vais mesurer le papier. Bon, désolé, hein, d'habitude ça marche du premier coup. Hein. Mais c'est normal, c'est un Eh oui, webinaire. c'est normal. Bon, ben voilà, là, a priori, cette fois-ci, ça a marché. Je n'avais pas pris le bon job. Donc, on a effectivement pour les. Merci, Georges, de ton Moi, je intervention. t'en prie. C'était pas le bon job, c'était la bonne gamme, mais pas le bon job. Donc, voilà, j'ai mes deltas pour le cyan, le mage, le jaune, le noir, couleur spot 1, couleur spot 2. Je vais avoir également pour l'engraissement, pour toutes mes couleurs, je vais également obtenir les valeurs mesurées, également la valeur d'étalement. S'il y a dans mon job également des balances de gris ou des plages de surimpression, enfin voilà, tout est mesuré en une seule fois et on accède de façon très simple
à toutes les mesures en un scan. Alors, je vais quitter le logiciel Exact de suite pour aller dans le logiciel ColorCert. Donc, normalement, je vais pouvoir me connecter en Wi-Fi. Alors, visiblement, il est déjà connecté, mais je vais juste vérifier quand même. Effectivement, il est bien connecté en Wi-Fi. Donc, comme on l'a dit, hein, le spectro est en Wi-Fi. C'est beaucoup plus pratique pour pouvoir se connecter dans les différents logiciels. Donc là, à l'écran, vous avez le logiciel QATool, enfin ColorCert. ColorCert est une suite de différents logiciels. Il y a un module qui s'appelle ColorCert QATool, qui est relativement simple et surtout très convivial. Alors, attendez, je vais juste repartager pour que vous puissiez voir. Vous voyez sur l'écran de l'outil, en fait, il y a un transfert d'une partie de l'écran, en fait, du logiciel ColorCert sur l'outil. Donc, on va pouvoir obtenir les différents widgets que vous allez voir tout à l'heure à nouveau à l'écran. Et on va avoir un affichage qui indique tout de suite si on est bon, si on n'est pas bon. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Alors, est-ce que si je repartage mon écran. Hop, pardon, on retourne au logiciel. En fait, vous aviez cette partie-là hein, de ce qu'on appelle widget, enfin, voilà, qui était donc sur l'écran de l'outil. Je vais d'abord commencer par mesurer le support à nouveau. Donc là, j'ai un message hein, qui est transféré sur le spectro directement par le logiciel me demandant de mesurer le support. Voilà, c'est chose faite. Je vais pouvoir, comme tout à l'heure, mesurer voilà, directement un échantillon. Donc, on a la mesure qui vient s'inscrire ici, hein, la dernière ici, 14h33, voilà. On a le menu Best Match qui est ici. Donc, j'ai mesuré le support pour justement être capable hein, d'obtenir cette information Best Match. Là, on est sur un affichage programmé avec 1, 2, 3, 4 widgets de la façon qui est présentée ici, ci-dessous. Et on peut choisir et créer en fait un certain nombre d'affichages. Éventuellement, les protéger par mot de passe une fois que c'est fait pour qu'on ne puisse pas voilà, changer d'affichage pardon, si nécessaire. Mais on peut décider de la façon dont on organise les fenêtres, du nom que l'on va donner. Et voilà, c'est très modulable et ça permet d'avoir des affichages qui correspondent à différentes personnes souhaitant regarder voilà, des choses peut-être différentes. Peut-être que vous avez vu quelque part, alors ce n'était pas dans celui-là, c'était dans l'autre, dans Presse. Non, alors c'est pas grave, je vais le mettre moi-même. Il y a également la possibilité d'interférer, de communiquer avec le logiciel InFormulation. On peut en fait envoyer d'ici un échantillon qui serait effectivement mauvais et que la fonction best match nous indique, bah d'ailleurs c'est le cas, qu'on ne fera pas mieux. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de jouer sur la charge d'encre ou sur la concentration hein, en fonction de est-ce que je suis en encre liquide ou en encre grasse. Quoi qu'il arrive, j'arriverai pas à faire mieux. Donc si pour X raison mon client m'impose un delta E de 2 et qu'au mieux j'aurai de 8, là il va peut-être falloir retoucher la formule et dans ce cas-là on va pouvoir exporté vers InFormulation. InFormulation va recevoir une petite alerte et le coloriste va pouvoir corriger la formule et on pourra, si besoin, récupérer ici également la formule avec les corrections qui auront été proposées. voilà, sans rentrer trop loin dans les détails du logiciel, mais pour donner un aperçu, puisque le logiciel ColorCert QATool est aujourd'hui le logiciel d'actualité, on va dire, par rapport à d'autres logiciels que vous connaissez peut-être comme Color Quality ou Color AQC. Et on peut également faire migrer complètement toute la base de données du logiciel Color Quality dans cet outil d'assurance qualité, enfin dans QATool, pardon. voilà, rapidement, pardon. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Y a-t-il des questions?
Alors, moi, j'ai une question. À quelle profession, secteur d'activité est destiné l'exacte 2? Eh bien, moi, j'ai envie d'être universel et de dire bah, tout le monde. C'est-à-dire, en l'occurrence, déjà, ça s'adresse que l'on soit imprimeur, offsetiste, qu'on soit dans la flexo, héliogravure, sérigraphie, qu'on soit évidemment surtout dans le numérique. On aura un moment ou un autre obligation de contrôler la couleur et également quel que soit son service. On parle de la salle d'impression, mais on va également parler du prépresse. On a parlé évidemment de la colorimétrie, donc du coloriste, etc. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voilà, quel que soit le secteur, vous pouvez parier sur l'exacte 2. Une autre question, comment est gérée la notion de main gauche, main droite avec exacte 2? Alors, ce n'est pas la vieille personne que je suis qui va être un grand démonstrateur, mais en l'occurrence, quand vous avez affaire au menu, donc sur cet écran qui est plus grand, bah c'est un petit peu comme un portable où je vois des jeunes mains utiliser à la fois les deux pouces en même temps. C'est-à-dire qu'on va utiliser à la fois et main droite et main gauche. Voilà. Peut-on exporter les valeurs scannées dans un fichier Excel? Oui, bien entendu. Oui, tout à fait. Oui, c'est un minimum. Oui, Jérôme. Non, je ne faisais que confirmer. Soit en mode spot, effectivement, soit en mode scan. On va pouvoir également scanner une gamme, tout se fait au travers du logiciel Exact de suite et on exporte dans Excel. Je crois que c'est même plus simple, me disait un spécialiste également hier, par rapport à l'ancien produit Data Catcher. Voilà, pour info. Oui, c'est beaucoup plus simple. Et puis le fait d'avoir un seul logiciel qui contient les différents logiciels, il n'y a plus à avoir trois logiciels, il n'y en a plus qu'un et c'est intégré dedans. Et au niveau paramétrage, c'est effectivement plus simple. Est-ce que l'on peut caractériser des teintes en orientant? Alors ça, c'est une question de spécialiste, donc c'est pour toi, Jérôme. Est-ce que l'on peut J'espère caractériser que des c'est pour teintes en toi. orientant l'exact dans n'importe quelle position, horizontale contre verticale? Alors, en fait, l'exact aujourd'hui, dans, pardon, l'exact 2 ne va pouvoir scanner, et d'ailleurs, l'Infogramme Media Wedge, il va pouvoir la scanner, mais malheureusement, on va pouvoir, enfin, non, pourquoi malheureusement? En fait, aujourd'hui, on peut scanner que dans une seule direction. Voilà. Effectivement, horizontale, ou si la gamme est verticale, oui, pourquoi pas. Mais voilà, vous m'avez compris, c'est donc dans un seul sens. Pour l'instant, c'est seulement en poussant, mais on pourra également bientôt le faire en tirant, d'accord? C'est dans ce sens-là uniquement et bientôt dans ce sens-là. Mais il n'y a pas, enfin, pour moi, c'est même franchement, enfin, beaucoup plus facile et naturel d'avoir l'exact 2. Ah, pardon, je regarde pas ce que je fais, la caméra. Dans un sens où on vient pousser comme ça, que d'avoir l'outil exact 1, c'était vraiment pas simple. En plus, on voit pas, il faut regarder où est-ce qu'on va, enfin. Mais en tout cas, pour l'instant, une seule direction. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai envie de dire, bah écoutez, c'était la dernière question à laquelle nous avions le temps de répondre. Il y a On un est petit problème arrivé à la avant fin de de terminer. notre... Pardon? Oui, je disais, Georges, il y a un dernier petit sondage important avant la fin. Ah, très bien, pardon. Je t'en prie. Pendant que vous répondez au sondage, bah écoutez, Jérôme et moi-même, nous vous remercions, ainsi que Jessica qui organisait donc ce webinaire. Nous serons ravis évidemment bah, de vous recontacter, hein, puisque j'ai la question sous les yeux. Voilà. Et donc, vous avez la possibilité donc de revoir, enfin de recevoir ce webinaire donc par le lien qui vous sera remis. Voilà. Bah, écoutez, en attendant, personnellement, je vous souhaite une excellente fin de journée
Et encore merci de votre assistance.